Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 22 juillet 2022. L'actualité nationale avec la deuxième délibération du baccalauréat session de juin 2022. Celle-ci aura lieu demain samedi. Mais en attendant, les candidats recalés passent les épreuves orales dès ce matin sur l'ensemble du territoire national. Et puis le gestionnaire mandataire de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, a porté à la connaissance des hommes des médias hier, les modalités pratiques et opérationnelles de la reconstitution générale des actes d'état civil. Le décret a été pris mercredi dernier en Conseil des ministres et cette sortie du gestionnaire mandataire de l'ANIP vise à lever les points d'ombre sur le processus de matérialisation et d'une bonne sécurisation des actes d'état civil. Nous entendrons tout à l'heure Cyril Goubedji dans notre bulletin matinal et bien entendu dans le reste de nos éditions de la journée. Il s'est également prononcé sur la mise en œuvre des registres communaux des personnes physiques en application des dispositions des lois en vigueur au Bénin. Maintenant, dans notre alala de tous les vendredis, on aborde une problématique qui donne matière à réfléchir. Après plusieurs efforts et multiples prières pour évaluer, sinon pour évoluer dans l'administration et obtenir une promotion, le Seigneur a finalement dit amen et a tout exaucé. Mais c'est sans compter avec les surprises de la nature. En clair, à la faveur des dernières affectations qui accompagnent la promotion en question et les avantages qui vont avec, c'est finalement dans le même service que son ex, un ex qu'elle n'a presque jamais cessé d'aimer, que Madame atterrit, fruit d'un hasard presque indescriptible, mais qui malheureusement n'est pas du goût de l'époux sous le toit de qui elle vit depuis quelques années déjà. L'époux juge cette nouvelle cohabitation professionnelle très critique pour la santé de son foyer et Madame, de son côté, est partagée entre abandonner le nouveau poste et ses avantages ou sauvegarder son nouveau foyer. Mon conjoint et moi travaillons désormais, sinon mon conjoint et son ex travaillent désormais dans le même service. C'est en résumé notre thématique du jour. On fera le débat avec vous au téléphone, de même qu'avec un confrère journaliste et animateur, Ghislain Jérôme Guiroquin, que vous découvrirez tout à l'heure. Dans la seconde partie de cette matinale, nous irons à la découverte de l'intelligence artificielle. Que cache ce vocable qui est désormais d'actualité au Bénin et qui suscite curiosité? Eh bien, Brunice Padonou et Lucien Dagnon sont nos invités. Ils viendront nous en dire un peu plus. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. À la une du quotidien Fraternité, n'est-ce pas? À la une du quotidien Fraternité ce matin, éducation sexuelle à l'université d'Abomey-Calavi, Radio Univers, une plateforme presque pas exploitée. Les points de vue de Dr. Wenceslas Maoussi, Angela Pedia et Sira Seke. Judikaël Ayadoku, membre fondateur du parti Union Progressiste, l'avenir de la jeunesse se décide
aujourd'hui. Recherche agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre, les grandes recommandations du symposium de Cotonou. On verra de quoi cela retournait dans nos informations de 13h. Et puis, éducation sexuelle donc des jeunes, une tranche quasiment absente sur Radio Univers, la radio donc des étudiants. Il y a bien de personnes qui se sont prononcées. Wenceslas Maoussi estime que malgré la grande percée du numérique, la radio permet d'informer, d'éduquer et de divertir. Et Angela Pedia, qui sur le même sujet s'est prononcée, elle dit que c'est une erreur de penser que la radio est réservée aux vieux. Sira Seke, sur la même problématique, l'éducation sexuelle des jeunes exige un langage de vérité. Dans les colonnes du quotidien Fraternité également, on a eu Judicaïel Ayadokoun, un de nos confrères ici, sinon un de nos anciens confrères ici à Canal 3 Bénin. Il est membre fondateur aujourd'hui de l'Union progressiste. L'avenir de la jeunesse se décide aujourd'hui. Ce sont ses propos. Il offre d'ailleurs un espace d'expression à la jeunesse de la 6e circonscription électorale. Ce serait bien entendu dans la commune d'Abomey-Calavi demain samedi. Achetez Fraternité, vous avez le reste de ses propos. Allez, on va faire un tour à la régie pour voir le travail de la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est le bulletin Toute Image. Le registre national des personnes physiques, qui devient le registre mère en matière d'identification des personnes, est doté d'applicatifs permettant d'extraire de sa base de données, d'individualiser ou d'isoler de sa base de données les données relatives aux personnes physiques ayant établi leur résidence sur le territoire d'une commune. Ainsi, si dans le pêle-mêle, nous avions tous fait le RAVIP pour figurer au registre national des personnes physiques, le traitement du registre national des personnes physiques conduit maintenant à extraire le registre communal au titre de chaque commune du pays par référence à la résidence déclarée par les uns et les autres pendant qu'ils ont fait le RAVIP. Mais des gens ont fait le RAVIP au moment où ils résidaient à Cotonou, par exemple, et aujourd'hui, ils sont à Malanville. Il faut permettre à chaque personne figurant dans la base de données du registre national des personnes physiques et inscrite au titre de la commune de sa résidence d'avoir accès à ces informations pour dire « Ah, c'est vrai, j'étais en résidence sur le territoire de telle commune, mais aujourd'hui, je ne suis plus là-bas. Je demande à l'ANIP de prendre acte de ce que je ne suis plus là-bas, que je suis désormais dans telle commune. Lorsque je décide de changer de résidence pour quitter le territoire d'une commune pour une autre, je dois faire attention pour accomplir mon devoir que met à ma charge la loi qui m'oblige à donner l'information à la mairie de la commune de résidence initiale. Et arrivé dans la nouvelle commune, sur le territoire de la nouvelle commune, j'ai également l'obligation d'aller déclarer que je viens d'arriver. Ce n'est pas une invention de l'ANIP, c'est déjà dans la loi. Parfois, les lois sont adoptées, promulguées, mais nous ne prenons pas le temps de les lire. Enfin, le document majeur qui va subir une transformation profonde à partir de la mise en œuvre des registres communaux, est qu'aucune attestation ou certificat de résidence ne sera plus délivré par aucune autorité locale sans que cela ne provienne directement, sous un format sécurisé, du registre communal. Qu'il vous souvienne que nous avions déjà entrepris cette opération. Et que les actes que l'ANIP délivre depuis environ 2 ans sont appelés des actes sécurisés. C'est la loi qui l'avait ainsi voulu. En l'absence du décret d'application, nous avions mis en œuvre la solution dans le palier de la loi. Mais à présent, le gouvernement a pris le décret d'application fixant les uns et les autres
sur les modalités pratiques et opérationnelles de cette reconstitution de l'état civil. Ainsi, désormais, lorsqu'une personne née au Bénin et qui avait déjà été enregistrée à l'état civil au Bénin se présentera pour obtenir copie de son acte de naissance ou de son acte de mariage ou, s'il s'agit des parents, de l'acte de décès de leur auteur ou parent, cet acte sera obligatoirement un acte sous format sécurisé comme ce que nous sommes en train de faire maintenant. Mieux, il est précisé sur l'acte de format nouveau qu'il s'agit d'un acte reconstitué en vertu de la loi, en vertu de l'article 19 de la loi. C'est mentionné clairement sur l'acte. En plus de cela, l'acte portera la mention de l'officier de l'état civil qui l'avait enregistré à l'époque et portera la mention du déclarant telle que cette mention figurait sur l'acte primitif. Et enfin, en bas ou en pied d'acte, en pied de page comme on le dit, il sera mentionné encore le nom, le prénom de l'officier de l'état civil qui avait enregistré l'acte à l'époque. Et en plus de cela, l'officier de l'état civil territorialement compétent actuellement qui certifie la reconstitution de l'acte. En donnant tous ces détails, le décret vise à rassurer les uns et les autres sur le droit à une harmonisation de leurs données identitaires qui figurent dans la base de données du recensement administratif à vocation d'identification de la population et sur leur acte d'état civil. Dans cette caravane motorisée accompagnée de la cavalerie royale de Djougou, les membres du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, venus pour leur deuxième réunion au titre de l'année 2022. Après un bref parcours à travers cette cité princière, ils rejoignent cette somptueuse salle de conférence pour débattre des questions liées à la gouvernance locale. Mais avant, l'honneur échoit au secrétaire de cette fêtière de souhaiter la bienvenue à ses hôtes. Monsieur le Président, au nom des populations de Djougou, je me dois de vous remercier pour ce choix judicieux qui est fait, qui nous permet nous aussi de nous sentir concernés, d'appartenir à une nation, d'appartenir à une association. Je nous souhaite bon séjour à Djougou et je souhaite que Djougou devienne un pèlerinage pour les uns et les autres et que chaque fois que vous êtes ennuyés dans vos communes, pensez à faire un tour à Djougou. Merci. Créé en 2003, l'ANCB, qui sert d'interface entre communes et pouvoirs publics, œuvre inlassablement pour relever un certain nombre de défis, lesquels défis constituent un handicap à la bonne gouvernance locale et la démocratie à la base. C'est une session qui va nous permettre non seulement d'échanger sur la mise en œuvre du PTA de l'ANCB, mais également d'échanger sur la mise en œuvre véritable des réformes du secteur de la décentralisation. De débattre des différentes questions liées au boulot d'étranglement entre les SE et les maires. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par des réformes dans le sous-secteur de la décentralisation. Un secteur qui connaît de profondes mutations grâce au dynamisme et à l'esprit éclairé du président Patrice Talon. C'est grâce à l'appui financier du gouvernement que se tient la présente réunion. J'exprime en gratitude au chef de l'État, le président Patrice Guillaume Athanase Talon, qui associe régulièrement la NCB à la mise en œuvre de la réforme et l'accompagne également dans son fonctionnement. L'ANCB travaille au quotidien pour améliorer la qualité des services délivrés aux populations à la base.
Cet effort déployé vient consolider la vision du gouvernement qui ne cesse d'entreprendre des réformes pour imprimer une nouvelle dynamique à la gouvernance des collectivités territoriales. Une conférence de presse pour féliciter les acteurs du système éducatif dans le Borgou et dévoiler l'impact des bibliothèques CAEB sur les résultats brillants obtenus à l'issue des examens nationaux de fin d'année. C'est l'exercice auquel s'est prêté Odon Vallée, précurseur du plus grand réseau de bibliothèques dans l'Afrique francophone, l'après-midi de ce mercredi 20 juillet 2022 à Parakou. Alors d'abord, il faut remercier les enseignants, les apprenants et aussi les familles pour ce résultat exceptionnel. Borgou est le premier département du Bénin en matière de succès au CEP et au BEPC, respectivement plus de 87 et plus de 74%. Bravo, bravo, bravo aux uns et aux autres. D'autre part, la bibliothèque de Parakou, l'une des plus importantes du Bénin et même d'Afrique de l'Ouest, n'est pas étrangère à ce succès. Le fait de fréquenter couramment des bibliothèques, c'est un effet. Bon, ici, on est aux alentours quand même de 20 000 lecteurs par mois et ça augmente chaque année de 15%. Ce philanthrope au service du livre et de la lecture a passé en revue plusieurs sujets liés aux œuvres de sa fondation et notamment les résultats satisfaisants obtenus jusque-là. Il n'a pas manqué de rappeler que le livre et l'écran se complètent. Allez sur fondationvallée en un seul mot, .org, parce que les autres sites Fondation Vallée, c'est du piratage. Et vous verrez, on y parle de l'intelligence artificielle, mais on y parle de plein d'autres choses. On ne peut pas se passer de la modernité, d'Internet, de l'ordinateur, mais finalement, les bons vieux livres, eh bien, croyez-moi, ce n'est pas mal du tout. Érigées dans plusieurs grandes villes du Bénin, dont Parakou, les bibliothèques de la Fondation Vallée, communément appelées bibliothèques CAEB, sont très prisées et reçoivent de façon effrénée de nombreux lecteurs, dont les apprenants. Aujourd'hui, lundi 18 juillet 2022, jour du marché d'Azavé, un des plus grands et importants marchés du département du Koufo, situé dans la commune d'Aplahoué, au sud-ouest du Bénin. Des visiteurs pas comme les autres ont choisi cet instant pour sillonner le marché. Il s'agit d'une délégation préfectorale conduite par le préfet Christophe Mengbeji. La visite est inopinée et s'inscrit dans une dynamique de contrôle et de vérification du respect des prix fixés par le gouvernement pour juguler la crise économique que traverse le Bénin. Ce que nous avons constaté aujourd'hui, c'est que de façon globale, les parents respectent les prix indiqués par le gouvernement. Bien sûr, suite aux sensibilisations qui ont été faites sur les antennes de nos radios locales, les crieurs publics et les différentes réunions que notre directeur départemental dédique à organiser à l'intention donc des commerçants et des commerçantes du Koufo. Les allées et recoins du marché ont été parcourus. Des étalages, des boutiques, des hangars et autres dépôts de ciment ont été passés au peigne fin. Des échanges avec les commerçants et autres usagers ont été menés. Le gouvernement a dit de diminuer les prix. C'est pour cela que j'ai maintenu les prix à 32 000. Le gouvernement a dit qu'on va accompagner la population. Il a dit dans 3 mois, on a déjà fait. Et maintenant, il a prolongé dans 4 mois encore. Ah, là, on est dedans, difficilement on est dedans. Le bidon d'huile actuellement, c'est à 30 400. Et le litre, c'est à 1275. Pour le moment, si on vend ça à 1275, on ne trouve plus rien. Mais on va vendre les bidons à 500. Ou les gens qui vont charger les haricots, les maïs, les stockages. Donc on le vend bidon 500. Donc c'est les bidons qui sont
nos bénéfices maintenant. Et je ne commence pas à diminuer le prix. Les sensibilisations ont porté. Mais cela ne nous dispense pas de continuer de fouiller, de descendre dans le marché de façon inopinée pour, disons, détecter les brebis galeuses. Nous sommes à disposition de la population et nous souhaiterions que les informations nous parviennent relativement à ceux qui ne seraient pas en train d'appliquer l'arrêté interministériel. La lutte contre les commerçants ne respectant pas les mesures prises par le gouvernement est donc en pleine phase active dans le Koufo. Le préfet du Koufo et le directeur départemental de l'industrie et du commerce du Mono Koufo promettent intensifier les contrôles inopinés. Cette coupure de ruban consacre la mise en service officielle de la première grande centrale solaire photovoltaïque du Bénin à Iloulofi, dans la commune de Pobé, d'une capacité de 25 MW crête et implantée sur 26 hectares. Cette centrale solaire va tout de suite alimenter jusqu'à 40 000 foyers. Après l'inauguration en août 2019 de la première vraie centrale thermique de 127 MW de Mariagle État 1, aujourd'hui, 3 ans après, nous voici encore pour l'inauguration d'un nouveau bijou pour le Bénin, pour le développement socio-économique de notre pays. Cet événement restera durablement gravé dans nos mémoires, dans l'histoire de notre pays, comme l'une des réalisations majeures du programme d'action du gouvernement. L'événement de ce jour prouve encore une fois que les choix effectués par le gouvernement depuis avril 2016 étaient des choix justes et responsables au regard des enjeux de développement socio-économique de notre pays. D'une valeur de 14 275 781 616 francs CFA, l'infrastructure est financée grâce aux actions combinées de l'Union européenne, de l'Agence française de développement et de la SBDE. Notre appui à ce projet illustre les orientations tracées par le président de la République française pour notre coopération, à savoir une aide au développement co-construite dans un cadre partenarial plus proche du terrain, l'appui aux infrastructures pour assurer une transition énergétique, climatique et économique, et enfin la recherche d'une efficacité accrue via des cofinancements, notamment avec l'Union européenne. Au nom des populations, le maire de Pobé a dit ses remerciements au gouvernement pour ce projet qui leur apporte la lumière. Je suis très heureux de ces belles choses qui se réalisent pour nos populations et Pobé. Avec l'ensemble de son conseil communal et sa population, me charge de transmettre ces mots de remerciement au ministre de l'Énergie, notre bien-aimé grand frère Jean-Claude Rousseau, et par lui, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, pour leur vision ordonnée et dynamique du développement de notre cher pays. En dehors de cette centrale solaire à Iloulofi, 4 autres communes, dont Parakou, Natitengou, Djougou et Boïkon, vont bénéficier du même projet. Voilà le bulletin matinal sur Actu Matin, des éléments qui vous reviendront beaucoup plus fournis dans le reste de nos éditions, notamment l'édition de 13h, celle de la mi-journée. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler sport, mais en attendant, on fait un tour à la régie pour la petite transition. Ouais, au Milan de ton sassime son nommé. Venez souffler avec nous ce 31 juillet à la veille de la fête de l'indépendance du Bénin, la première bougie de art résidence. À l'occasion, retrouvez au concert privé Zénab et Gopal Das pour un show explosif. Chacun sa chance. Prix des tables. Table de 2 personnes, 150 000. Table de 4 personnes, 200 000. Table de 6 personnes, 300 000. Attention, bon cadeau, spa offert pour toutes les personnes qui prendront les tables de 6 personnes. Réservation au plus 229 91 71 64 64.
Bonjour Ali Moumouni. Bonjour Ahab, bonjour à tous. On peut dire que les résultats sont connus, pour ne pas dire le verdict est tombé. C'est Sadio Mané qui est consacré meilleur joueur africain pour l'année 2022. Oui Ahab, c'est sans surprise, c'est la deuxième fois consécutive que l'attaquant sénégalais donc remporte le titre du Ballon d'Or africain. Et comme vous l'aviez dit, tout le monde l'avait déjà pressenti, eu égard aux performances du natif du Bambali, Sadio Mané. C'est donc trois trophées remportés cette saison, la Carabao Cup, la FA Cup et puis la CAN également, la finale de la Ligue des Champions. Sans aussi parler de la saison qui a été vraiment évoluante du côté de l'Angleterre, deuxième donc de la Première Ligue, puis l'équipe sénégalaise qui est qualifiée pour le Mondial de Qatar, sans citer également la qualité, la prestation insincère du joueur cette saison malgré le changement de poste. Logiquement, il remporte donc le titre du meilleur joueur africain 2022. Autre distinction donc décernée lors de la CAF Award déroulée hier donc du côté du Sénégal, c'est le titre de la meilleure joueuse africaine et là c'est la star nigériane du FC Barcelone qui l'emporte. C'est donc la cinquième fois d'affilée au Arabe que Assissat Oshoala s'empare du titre sur le continent. Et donc voilà les grands moments qui ont donc qui ont retenu l'attention de tout le public sportif hier lors de la CAF Award 2022. Il y a eu également les distinctions du meilleur jeune joueur africain. Et là, c'est le Sénégalais également qui l'emporte, Pape. Un autre Sénégalais qui l'emporte, Pape Matassar, le joueur de milieu de terrain de Tottenham Hotspur en Première Ligue anglaise. La meilleure joueuse, quant à elle, la meilleure jeune joueuse est donc Evelyn Badou, la jeune Ghanéenne qui est partie l'année dernière de Asakas Ladies de son pays pour Alvalnest en Norvège. Elle évolue donc du côté de l'Europe cette saison. Le meilleur entraîneur, le meilleur coach masculin, c'est le Sénégalais, notre Sénégalais arabe. C'est Aliou Cissé qui l'emporte. Lui, il a été donc consacré meilleur entraîneur après avoir conduit le Sénégal sur le toit de l'Afrique cette année lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, pour finir, la meilleure entraîneur de l'année, la meilleure coach féminine, c'est Désirée Ellis. Les femmes sont à l'honneur. Hein? Oui, justement, Désirée Ellis, c'est l'entraîneur de l'équipe sud-africaine, sud-africaine, dont on parlera tout à l'heure, parce que son équipe est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin en cours actuellement du côté du Maroc. Puisqu'il s'agit de parler bien sûr de cette Coupe d'Afrique, les rencontres de la troisième place démarrent ce soir et c'est le Nigeria, tenant du titre, qui a échoué donc en demi-finale face au Maroc, qui sera face à la Zambie pour ce match de classement. Rencontre donc prévue pour se disputer ce vendredi 22 juillet 2022 du côté du Maroc et demain donc samedi 23 juillet, on aura la grande finale. C'est bien sûr entre le pays hôte, le Maroc, et l'Afrique du Sud, dont l'entraîneur vient d'être consacré meilleur coach de la saison. On fait un tour en Europe, Wahab, pour nous intéresser à l'Euro 2022 qui se déroule donc du côté de l'Angleterre. Donc après les Anglaises, les Lions qui se sont qualifiés pour les demi-finales, c'est donc l'équipe de la Mannschaft qui a assuré, c'était hier, face à son voisin autrichien. La Mannschaft donc s'est imposée à l'arrivée sur le score de 2-0, alors qu'elles étaient vraiment, se sont retrouvées en difficulté à l'entame de cette explication, mais la Mannschaft a tenu bon et donc inscrit 2 buts hier et donc rend la liste à 11 buts au cours de cette compétition avec 0 but encaissé. La Mannschaft rejoint donc les demi-finales et va attendre son adversaire qui sera entre la France et son adversaire des quarts de finale. Aujourd'hui on aura la rencontre, la suite des quarts de finale, la Suède sera l'adversaire donc à jouer de la Belgique. On connaîtra donc ce soir la troisième nation qualifiée pour ces quarts de finale en attendant la rencontre de demain des Bleus. Wahab, c'était l'espoir. C'était l'espoir avec vous, Ali Mouni. Merci d'être passé par ici. On va installer maintenant le plateau de discussion de ce vendredi. Le sujet est tout simplement clair. Mon conjoint et son ex travaillent désormais dans le même service. Est-ce que ça vous pose un problème, vous, Ali Mouni?
Non. Si votre épouse et son conjoint travaillent dans le même service. Non, ça ne me cause aucun problème. D'accord, merci. On verra, on aura l'avis, n'est-ce pas, de nos collègues sur le plateau tout à l'heure avec un ami qui nous accompagne. C'est un journaliste animateur également. Il a nom Ghislain Jérôme Dirouquin. Avec lui, on fera le débat avec nos téléspectateurs au téléphone. À tout de suite. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Ouais, au Milan, dont tout ça, c'est son nom. Venez souffler avec nous ce 31 juillet, à la veille de la fête de l'indépendance du Bénin, la première bougie de Art Résidence. À l'occasion, retrouvez au concert privé Zénab et Gopal Das pour un show explosif. Chacun sa chance. Table de 2 personnes, 150 000. Table de 4 personnes, 200 000. Table de 6 personnes, 300 000. Attention, bon cadeau, spa offert pour toutes les personnes qui prendront les tables de 6 personnes. Réservation au plus 229 91 71 64 64. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitefm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion, se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Ouais, au Milan, dont tout ça, c'est son nom. Venez souffler avec nous ce 31 juillet, à la veille de la fête de l'indépendance du Bénin, la première bougie de Art Résidence. À l'occasion, retrouvez au concert privé Zénab et Gopal Das pour un show explosif. Chacun sa chance. Table de 2 personnes, 150 000. Table de 4 personnes, 200 000. Table de 6 personnes, 300 000. Attention, bon cadeau, spa offert pour toutes les personnes qui prendront les tables de 6 personnes. Réservation au plus 229 91 71 64 64. Yeah.
chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité. Pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitefm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion, se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Ouais, au Milan, dont tout ça, c'est son nom. Venez souffler avec nous ce 31 juillet à la veille de la fête de l'indépendance du Bénin. La première bougie de Art Résidence. À l'occasion, retrouvez au concert privé Zénab et Gopal Das pour un show explosif. Chacun sa chance. Des tables, table de 2 personnes, 150 000, table de 4 personnes, 200 000, table de 6 personnes, 300 000. Attention, bon cadeau, spa offert pour toutes les personnes qui prendront les tables de 6 personnes. Réservation au plus 229 91 71 64 64. Voilà, retour plateau maintenant. Zakiat Latundji, bonjour. Bonjour. Emmanuel Niabosu, bonjour. Bonjour, Havalikpara. Voilà, on a un confrère qui nous accompagne dans le débat ce matin. Il a nom Jérôme Diouquin, Ghislain Jérôme Diouquin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. On va espérer Nagui Balagbé tout à l'heure. Notre sujet de discussion ce matin, c'est mon conjoint et son ex qui travaillent désormais dans le même service. C'est une question de hasard, on peut le dire ainsi, après plusieurs prises. Il y a moult tractations pour souhaiter la promotion, n'est-ce pas, dans le service. Eh bien, le Seigneur a dit amen. Mais coïncidence pour coïncidence, après les affectations, n'est-ce pas, Madame atterrit dans le service, dans le même service donc que son ex, un ex qu'elle n'a presque jamais cessé d'aimer, n'est-ce pas. Aujourd'hui, elle est partagée, je dirais, elle est partagée entre continuer à travailler dans ce même service avec les avantages qui vont avec, ou je dirais démissionner, quitter, je ne sais pas, de force ou autre. Pourquoi ? Parce que son mari, monsieur, estime que cette cohabitation professionnelle est une menace pour la santé de son foyer. Donc, c'est en résumé notre sujet de ce matin. Je vais écouter Zakiat qui commence, n'est-ce pas, par piaffer de rire. Zakiat Latunchi. Qu'auriez-vous fait dans une condition pareille? Non, j'essaie de me mettre un peu à la place du mari qui trouve que son couple est menacé. A priori, non, le couple ne devrait pas être menacé parce que, a priori, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème parce qu'on a bien dit que c'est son ex. Donc, le monsieur ne devrait pas se plaindre. Alors, il se plaint et c'est légitime. Pourquoi? Parce que sa femme n'a pas rompu le contact avec l'ex. Et d'après votre présentation, c'est qu'elle est toujours vraiment en de bons termes avec l'ex en question.
c'est peut-être là que le monsieur a raison de s'inquiéter. Mais pour moi, il ne devrait pas aussi s'inquiéter. Pourquoi? Parce que dans toute relation, il faut quand même pouvoir se faire confiance mutuellement. Quand la confiance a déserté le forum, honnêtement, il ne sert plus à rien de rester ensemble. Donc, si... Donc, dans ce cas, quand la confiance a déserté le foyer. C'est ça. Quand la confiance a déserté le foyer, il ne sert vraiment plus à rien de rester ensemble. Donc, pour moi, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de problème parce que c'est son ex. Et c'est un cadre professionnel. Maintenant, l'être humain étant ce qu'il est, et les relations amoureuses étant ce qu'elles sont, effectivement, le monsieur a raison de s'inquiéter. Maintenant, c'est à la femme vraiment de le mettre en confiance, de le rassurer comme cela se doit, pour que on arrive à mettre la limite entre ce qui est de la vie professionnelle et de la cohabitation dans le cadre professionnel avec son ex et sa vie privée qui se résume véritablement à ses relations avec son mari aujourd'hui. Parce que c'est à la femme aussi d'arriver à faire le choix vraiment objectif qu'il faut. Est-ce qu'il faut sauvegarder vraiment ce qu'elle a pu construire avec son mari aujourd'hui ou continuer à regarder dans le rétroviseur et penser qu'il y a encore quelque chose à faire avec son ex dans son milieu de travail. Mais en fait, le monsieur, il a raison de s'inquiéter. Donc, c'est à la femme maintenant de le mettre à l'aise pour que la vie puisse continuer aussi bien à la maison qu'au travail. D'accord. Pour ce premier tour de table, je voudrais vous entendre, Ghislain Jérôme Dihokin. Merci beaucoup à vous et je partage une partie de Mme Latundji qui nous expliquait tout à l'heure que la confiance, c'est capital pour une relation. Mais toujours est-il que dans ce cas, ce n'est pas toujours facile d'accepter que ta femme soit en collaboration avec son S. Nous savons tous ce qu'on appelle S. C'est-à-dire qu'elle a eu déjà des relations intimes par le passé avec ce dernier. Ils ont eu à partager assez de choses ensemble. Mais laissez-moi vous dire que la femme passe plus de temps au service qu'à la maison. Il y a eu les réunions, les codis, etc., les jours de réjouissance, les présentations de vœux à la fin de l'année où on doit se mettre ensemble, s'amuser, rester ensemble. Je serai à la maison en train d'imaginer que ma femme est allée à une fête dans son service où son ex est peut-être, il occupe un grand poste de la société. Je ne peux quand même accepter une telle chose parce que nous disons souvent que le contact crée l'amour. À force de se voir tous les matins, à force de se voir dans la soirée, d'échanger, etc., je pense que... De fonctionner dans des bureaux climatisés. Vous imaginez un peu, le pire peut arriver à tout moment. Et pour éviter cela, je pense que cela revient à l'homme de prendre ses responsabilités. Et de l'autre côté... Prendre ses responsabilités sous-entend quoi? Prendre ses responsabilités, c'est de trouver un autre job à sa femme. Moi, je parle de moi. Je ne peux quand même pas accepter que ma femme travaille dans la même société que son ex, encore que peut-être ce dernier occupe un poste de responsabilité où ma femme a besoin d'elle pour avoir de grade, ma femme a besoin de lui, du moins, pour avoir quand même d'autres postes de responsabilité. C'est pas évident. Rapidement, le pire peut se passer. Donc, pour éviter cela... Vous êtes bien méfiant. Oui, il faut être méfiant parce que quand tu as été victime peut-être une fois, il faut être éveillé quand même. D'accord. Oui. Charles Chaudet qui craint l'eau. Non, moi, je dis notre sujet, la force de la prière. Ah. Oui, parce que vous avez dit, on a beaucoup prié et Dieu aide aussi nos prières et a trouvé boulot à ma femme. Et dans le boulot, elle tombe sur son ex. C'est ça. On va encore prier et beaucoup prier pour qu'elle trouve un autre boulot pour ne plus tomber sur l'ex. En fait, c'est aussi banal, c'est aussi simple que ça. Mais si la prière a permis qu'elle trouve un boulot dans lequel il y a son ex, la prière permettra aussi, on va beaucoup ardemment, tous les matins, à 4h du matin, on se lève, on va prier pour qu'elle trouve encore un autre boulot. Parce que, ils l'ont dit avant moi, on ne met pas l'aiguille à côté de l'aimant. Jamais. Vous déposez un poisson, que ce soit fumé, frais, à côté d'un chat. Ce gardiennage n'est pas rassuré. N'est pas rassuré. Et donc, la cohabitation est très difficile dans ce boulot. Mais elle a beau me rassurer, elle a beau me dire non, bébé chou. Encore que vous l'avez dit, dans le sujet, c'est qu'elle n'a pas rompu, elle n'avait pas déjà rompu totalement le lien avec cette test-là. Encore que là aussi, il y a mal donne. Comment elle peut être avec ma femme? Ou bien elle est ma femme ou elle n'est pas ma femme? Comment elle peut être avec ma femme qui ne rompt pas le lien avec son ex?
il y a un souci. Ça veut dire que il y a un souci, c'est pas normal. Un ex, c'est un ex, on oublie. Dès lors que vous devenez ma femme, vous oubliez l'ex. Pourquoi est-ce que ça tombe encore et c'est... Qu'est-ce qu'il vous dit que notre prière, en fait, que ce n'est pas l'ex qui a peut-être travaillé à ce que la femme trouve boulot auprès de dans son service. Oui, alors la prière que vous, les prières que vous proposez tout à l'heure, se réveiller à 4 heures et prier là, ça va changer quoi finalement ça... Si tant est que c'est l'ex qui a permis d'exaucer la prière. C'est ça justement. Donc il faut fouiller le sujet en profondeur pour savoir si ce n'est peut-être pas l'ex qui, dans son service, a dit bon, écoute, je sais que tu as tes diplômes, je ferai l'effort pour que tu trouves au boulot. Et donc vous êtes là à prier, tu penses, tu te prends le petit con, il est là à prier tous les matins. Et il pense que Dieu, alors que c'est l'ex qui a travaillé, est-ce que la femme le rejoigne là? Je pense que il y a beaucoup de problèmes à évoquer. Donc dans ce cas, on va prier à nouveau pour qu'elle puisse trouver boulot ailleurs. Surtout auquel cas, surtout qu'aujourd'hui, auquel cas, je pense que chacun de nous va prendre son petit chemin. Chacun va prendre son chemin. Puis pour que je cesse d'être à la maison et de penser à ce qu'elle fait au boulot, parce que si je dois penser de ma position d'ici à 43 à ce que ma femme fait à la maison, je peux pas être équilibré sur le plateau. Je vais penser à autre chose. D'accord. Donc il vaut mieux laisser affaire et penser aux choses sérieuses. Zakiath, vous pensez que les prières vraiment peuvent résoudre ce problème tel que présenté? Non, tel que présenté, je pense que c'est un peu exagéré parce que Man, il est en train de... Il fait la pagaille en disant des choses comme ça. Il est bien cérémonieux. Man est bien cérémonieux ce matin. C'est la pagaille, c'est la pagaille. C'est juste pas possible comme ça. Et écoutez, ce n'est pas parce qu'une personne est votre ex que du coup... vous devenez des ennemis. D'accord. On peut être des ex et garder de bons rapports. Nous, et même souffrir de copains. Non, il ne s'agit pas de copains. Ah. Il ne s'agit pas de copains. Et l'autre chose, aussi, c'est parce que la femme vous a dit que c'est mon ex, si elle ne vous l'avait pas dit. Vous savez combien de personnes vous côtoyez qui sont des ex à votre femme que vous avez à la maison et dont vous ignorez entièrement l'existence. C'est pas évident. Ça peut, comme ça peut ne pas. Donc, à partir du moment où... Oui, c'est ça, je vous dis. À partir du moment où la femme vous l'a dit et que vous savez, ça ne veut pas dire que du coup, entre les deux, on ne peut plus se passer bonjour. Maintenant, c'est dit, oui, mais c'est aussi dit que madame n'a pas totalement cessé, n'est-ce pas, d'aimer l'ex. Non, ce n'est pas une histoire d'aimer. Vous ne pouvez pas continuer d'aimer une personne pendant que vous vous mettez avec une autre. Ou alors, dans ce cas, le choix n'est pas encore bien fait. Ou que cette femme-là même ne sait pas avec qui elle est. Parce que si vous aimez véritablement votre conjoint, vous ne pouvez pas continuer à entretenir encore ou bien ressentir quelque chose pour une autre personne. D'accord, Zakiath, vous allez poursuivre. On va prendre le tout premier téléspectateur de ce matin. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur Ahab Ali Farah, bonjour. Merci de vous présenter. Herman Metton, oui. Les Herman s'identifient très facilement. Herman Metton, on vous écoute. Merci beaucoup. Bonjour à Madame Zakiath et à Monsieur Diroquin. Bonjour, Monsieur Herman. Oui, mon conjoint et son ex travaillent désormais dans le même service. Oui. Ça vous pose un problème, vous? Mais de nos jours-là, pour avoir sérieusement peur. Sérieusement peur parce que la génération montante avec ses habitudes ne rassure plus. Et vous imaginez mon ex avec mon épouse avec son ex aller en mission. Et c'est quand il est dans sa chambre d'hôtel 147, par exemple, il va demander qu'on l'amène à table ou bien de venir l'aider à faire un point pour présenter, peut-être faire un exposé sur une situation. Parce que peut-être mon épouse est dans un secteur où il a besoin des informations relevant de ce secteur pour pouvoir faire son exposé. Herman Metton, vous êtes bien metteur en scène. Vous venez mettre la sur notre table pour l'exposé. Il y a problème. Et connaissant nous les hommes, par erreur, on peut appuyer sur l'interrupteur, mais il y en a qui se disent. Alors, excuse-moi, je ne sais pas comment faire la lumière s'est éteinte. Et déjà, avec les paroles douces, comme on sait le faire. Rappelez-moi, bonjour l'adultère. C'est ça. Donc, le mieux à faire là, moi, je pense sincèrement que si même elle me rassure du tout là, malgré ses assurances, moi, je ne serai pas rassuré, certain, confiant comme quoi Nenadjea. Comme l'a dit quelqu'un sur le plateau, le contact crée l'amour.
Et si le monsieur laisse commence pas à rappeler ses belles paroles, tu te souviens le jour là où on était de l'autre côté, tu étais dans ta robe splendide et autres là, la femme va commencer à penser beaucoup de choses. Pendant ça, ce temps, le monsieur sera occupé à faire ses jobs, à travailler. Je pense sincèrement qu'il faut rapidement séparer ces deux-là. Et Glorweni, Bokoron, Webo, Botokita, Yemebono, et Nigezouzoubo, Mama, bon, Webo. Herman Metton, merci beaucoup pour votre intervention de ce matin. Zakat Latundi pour jouer. Moi, je vois qu'il y a, un problème quand même. Parce que dans, cette affaire, non, le problème, c'est qu'on ne se fait pas confiance. Et ce n'est pas bien quand, si les choses se passent de cette manière-là. À écouter les interventions des uns et des autres, c'est que tout le monde pense que systématiquement, à partir du moment où il y a l'ex, il y a l'épouse dans la même structure, il y a conflit. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour, Akad. Ah, Madame de Souvi, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. On vous écoute sur le sujet. Monsieur Dihoké, bonjour. Bonne arrivée. Bonjour, madame. Ok. Non, en fait, moi, je n'ai pas suivi le début. Je ne sais pas quel sujet vous avez, mais moi, je vois mon conjoint et son ex travaillent désormais dans le même service. Oui, est-ce que ça vous pose problème, vous, Madame de Souvi, si votre époux, par exemple, désormais travaille dans le même service que son ex? Bon, si c'est l'homme, est-ce que ça pose problème? Je ne pense pas que ça pose problème. C'est ça. Alors, et si on inverse, je dirais, les rôles? Non, bon, attendez un peu. Alors, respirez alors. Ah, parce que je m'inquiétais là. Pour la première partie là. Tout ça pendant qu'il travaille dans le même bureau que son ex. Oui. Tant pis pour cette femme qui se laisse faire si elle n'est pas mariée. Maintenant, si c'est elle qui est mariée là-bas, elle vient travailler avec moi, mon homme qui est son ex ici. Et si elle est déjà mariée, elle doit savoir se garder. Sinon, c'est son homme là-bas qui a des problèmes. Moi, je n'ai pas de problème ici. C'est ça. Donc, c'est par rapport à ça, comme vous êtes en train d'intervenir, je n'ai pas trop compris un peu le début du sujet. Mon conjoint, c'est la femme qui a des problèmes là-bas. C'est à son homme de régler son problème là-bas. C'est ça. Si elle est mariée, si elle n'est pas mariée, moi, je vais m'inquiéter un peu ici. Et si elle est mariée, tant pis pour elle. C'est ça. En fait, puisque vous dites que vous n'avez pas suivi le... On va laisser Zakat vous faire une petite synthèse. Pardon? Je reviens rapidement sur le sujet, puisque vous n'avez pas suivi le début, comme vous l'aviez dit. Oui. D'accord? Donc, nous sommes dans une situation où la femme a trouvé du travail dans une structure où son ex travaille également. Et c'est après plusieurs années de chômage. D'accord? Donc, aujourd'hui, elle est dans une entreprise où elle devra travailler avec son ex. Mais il se trouve qu'elle est mariée. Et c'est son conjoint aujourd'hui qui se plaint de ce qu'elle se retrouve dans une entreprise où il y a son ex. Est-ce qu'à votre avis, le mari a raison de se plaindre? Mais normalement, ça n'a pas de problème. Mais si elle est vraiment mariée, voilà, et elle est vraiment consciente, il n'y a même pas de problème là. C'est son ex. Ils se sont déjà connus. Donc, normalement, ça ne devrait même pas avoir... Ça ne devrait même pas être un problème. Vous ne craignez pas qu'il y ait opération suite et fin? Ce n'est pas évident. La femme est faible, mais quand même pas si faible. Ce qu'elle a connu, à condition qu'elle aime toujours ce monsieur-là. En tout cas, elle n'a pas totalement cessé d'aimer l'ex. Je ne sais pas pourquoi on a ce problème dans cette affaire. Elle n'a pas totalement cessé d'aimer l'homme là. Oui. Donc, l'homme, son monsieur doit s'inquiéter. Elle ne peut pas accepter ce boulot là. Mais si elle aime toujours l'homme là, si elle n'aime pas, si l'amour n'est plus là et qu'elle aime son monsieur qui est à la maison, non, rien ne peut se passer. Rien. Rien même. C'est ça. Si c'est quand elle n'a pas fini vraiment la relation correctement là-bas, l'homme qui est à la maison peut s'inquiéter. C'est ça. Madame de Souvi, merci beaucoup. On a compris l'essentiel de votre intervention ce matin. Je vais revenir à vous, Herman Anyambosu, n'est-ce pas? Je vais vous faire réagir par rapport à la description tout à l'heure de votre homo, Herman Metton. Est-ce que vous pensez que vraiment un scénario pareil est plausible? Non, ce qu'il dit, c'est
c'est possible ce qu'il dit, que la femme ne puisse pas, c'est pas résister aux avances, vous avez dit suite et fin, aux avances de ce monsieur-là qui se retrouve à travailler dans un même... dans un même comité, je redis un peu la chose, dans un même comité, qui est dans un codir, qu'ils soient obligés de voyager ensemble et que l'autre soit, qu'à des moments donnés, qu'ils soient obligés de travailler nuitamment pour pouvoir rendre le rapport demain matin. Oui. Vous voyez, c'est nuitamment et parfois fraîchement. Et des choses qui vous, dans votre livre, vous font réfléchir, vous dites, mais mettez-moi à ce sujet, Karel Doni. Non, je pense que ça va être compliqué. Comme il a dit, s'il ne faut pas. Si à défaut de dire à la femme de laisser, si elle n'a pas laissé, je pense que le choix est vite fait. Si on a des enfants, on va s'occuper des enfants. Si elle n'a pas d'enfants, on va se séparer. Un autre paramètre. Maintenant, si y a rien à faire, bon, écoutez, si je continue de l'aimer, on va voir ce qu'on peut faire. D'accord. Assez Belli Wayo est là. Oui. On ira le voir pour prendre conseil auprès de lui. D'accord. Pour savoir comment. Je voudrais revenir sur un de vos développements. Oui. Vous disiez que vous ne supporterez pas, n'est-ce pas, que votre, je dirais, épouse travaille dans le même service que son ex. Si on inverse le rôle, que peut-être c'est vous qui travaillez, n'est-ce pas, dans le même service que votre ex, selon vous, quelle peut être la réaction de votre épouse? Vous allez répondre tout à l'heure puisque je sens un autre téléspectateur qui réagit. Bonjour monsieur Aline. Bonjour. Merci de vous présenter. Mathieu Afon m'appelle. Mathieu Afon? Oui. On vous écoute. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Aïbatin. Aïbatin, merci bien. C'est par rapport au sujet. Allons-y. C'est compliqué. Ah bon? Parce que de nos jours, mon ex, ma femme travaille dans un service avec son ex. Ouais. Ça ne peut pas. Et doit d'anglais. Parce que le contact, ce que nous disons, c'est très simple. Les hommes, nous sommes très futés. Si déjà mon ex, et que je constate qu'il y a toujours un peu de trucs là, pas des petits gestes, bon, ok, viens, on va manger, viens ceci, cela, et rapidement, les choses vont se passer. Vont se passer. C'est ça. Donc, là, ça ne peut pas aller, je vous en prie. Dites à ce monsieur de ou la femme laisse le boulot, ou lui laisse la femme. Ah bon? Et qu'est-ce que, si c'est vous, monsieur Mathieu, qu'est-ce que vous allez proposer à votre femme dans ce cas? Il s'agit quand même d'une promotion. Elle est affectée, par coïncidence, elle tombe sur son ex. Bon, on va demander de faire encore une autre affectation. Vous allez encore prier. Nous allons prier. Attention. La prière. Les dieux, les mains de nos ancêtres sont bien sollicités ce matin. Je ne peux pas être à la maison et penser que ma femme est en train de faire des trucs là-bas. Et vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile si madame est à la maison et que c'est vous qui travaillez dans le même service avec, je dirais, votre ex? Là, c'est encore gérable. Ah bon? En quoi c'est gérable? Exactement. C'est gérable parce que l'homme, étant ce qu'il est, même si je suis en dehors, je suis au dehors, ma femme sait que je suis au dehors, elle sait que je travaille. Là, moi, je vais la rassurer pour dire, bon, et ma femme, moi, elle oublie tout ça, prends confiance, il n'y aura rien entre mon ex et moi. D'accord. C'est fini, ça c'est moi. Quand je dis non, c'est non. D'accord. Mais maintenant que moi, je sois à la maison, ou bien je sois au travail et que je pense que ma femme est au boulot avec son ex. Ah là, je vais tellement réfléchir que, pardonnez, AVC. Mais pourquoi vous ne voulez pas accepter le nom franc de votre épouse et la mise en confiance de votre épouse et lui permettre de travailler normalement? Vous savez que l'homme est plus jaloux que la femme. Oui, d'accord, jalousie, mais à un moment, il faut pouvoir être objectif aussi. Je ne sais pas. Oui, l'objectivité ici. C'est quel qui de ce service-là? Vous pensez... Pour vous, monsieur Mathieu, mais il faut qu'elle quitte le service. Il faut qu'elle quitte. La cohabitation pour vous, dans ce cas, est dangereuse. Ça ne peut pas marcher. Cette cohabitation ne peut m'amener nulle part. Ça va m'amener peut-être dans l'AVC. D'accord.
Mathieu à fond, c'est bien ça. Merci beaucoup. Vous allez réagir. Non, parce que j'essaie de réfléchir à la chose. Parce que là, c'est très radical. Il estime que la femme doit pouvoir quitter. Vous allez réagir. Je vais écouter. Non, mais peut-être à chaud, rapidement. Et si c'était à chaud. Pourquoi est-ce que si la femme avait demandé à son mari, par exemple, parce que le mari se retrouve avec l'aise dans son travail, que la femme lui demande, ben, il faut que tu quittes là, il faut que tu partes. Pourquoi on ne veut pas accepter ça? Et on estime que c'est du côté de la femme qu'il faut l'accepter. Autant vous exigez que la femme fasse confiance à l'homme et lui permette, vous, dans vos interventions, à travers les différents intervenants, Zakiat veut chercher un problème. Yahoui, il y en a pas. On va écouter le téléspectateur en ligne. Bonjour, monsieur. Téléspectateur en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Merci de vous présenter. Ici, c'est monsieur Oseni Fatio à l'appareil. Oseni Fatio. Oui. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de l'Étoile Rouge. On vous écoute. Oui. Et si je vous suis bien, oui. Je me pense que vous deviez de la trajectoire du débat. C'est-à-dire? Selon ce que moi j'ai entendu au début, il me semble que le monsieur, la femme, il s'agit d'un service public où la femme était cadrée quelque part. Elle a été affectée. Oui, elle a été affectée dans une promotion, c'est ça. Si oui, dans un autre service. Voilà, dans un autre service. Oui. Maintenant, si c'est dans le nouveau service qu'elle tombe sur son ex. Voilà. Voilà. Si c'est le cas. Oui. Il n'y a pas. Et si quand j'entends les gens dire qu'elle doit quitter le boulot. Oui. Voilà. Donc, si c'est le cas, je ne vois pas. Quand les gens disent qu'elle doit démissionner, il n'y a pas de question. Pourquoi? Voilà. Donc, si c'est dans le cas d'un service public, quelle sera la raison qu'elle va avancer pour quitter le service? Elle peut parler de convictions personnelles. Non, elle dira simplement que c'est qu'elle doit travailler maintenant avec son ex et que son mari n'est pas d'accord avec ça. Dans le cas du service public, je crois que cette raison n'est pas valable. Donc, si nous sommes mariés, je déménage. Vous voyez. Et on fait rapprochement de conjoints. On est en Afrique. Oui. Nous, on est en Afrique. Ça vous fait marrer. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on doit comprendre exactement? Oseni Fatio, vous êtes toujours là? Je suis toujours là. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit comprendre concrètement? Oui, mais je vous dis que c'est pas faisable. On a compris l'essence. Il estime que la femme ne doit pas démissionner. Oui. Donc la femme elle doit demander qu'elle soit affectée ailleurs. La cohabitation la pose problème. Il a rejoint la cavalerie. Allez, je vais m'adresser à vous. Je vous avais fait une question tout à l'heure. C'est de savoir, n'est-ce pas, comme autant vous êtes radical pour ne pas voir votre épouse travailler dans le même service que son ex. Est-ce que quand on inverse les rôles, ça ne vous gêne pas ou ça ne gênerait pas, madame, de vous voir vous travailler dans le même service que votre ex, par exemple? Mais elle n'a pas à s'inquiéter parce que quand c'est madame, il n'y a pas d'inquiétude. Quand c'est un couple bien fondé, je pense qu'elle doit me connaître de nature, de principe. Et quand l'homme dit non, c'est non. Quand l'homme dit non, c'est non. Mais au niveau de la femme, il y a toujours un point d'interrogation, s'il vous plaît. Donc, elle connaît un peu mes principes. Elle sait déjà que, bon, écoutez, il a déjà fermé cette page une fois de bon. Oui. Et ce qui est sûr, par le passé... Il n'y a pas possibilité de pousser cette page. Exactement. De la vérité à nouveau. Il n'y a pas possibilité. Surtout quand il s'agit de moi. Elle me connaît déjà. Et ce qui est sûr, déjà, par le passé... Exactement. Monsieur Anéaoussou, et déjà par le passé,
j'ai eu à lui parler déjà de cette dernière. Elle est monnaise, oui. On a eu tel problème, oui. On s'est séparé à cause des parents, oui. C'est parce qu'elle avait eu telle attitude que je l'avais abandonnée, oui. Etc. Et je lui ai déjà expliqué tout ça. Elle sait que je ne peux plus jamais chercher à avoir quelque chose avec cette dernière, même si nous travaillons peut-être que la, dans cette, le même bureau. Cette dernière, comme vous dites, l'ex revient maintenant avec un autre CV, un autre et c'est maintenant, c'est le moment pour moi de lui faire lire tous les messages de cette dernière. Ah, quand j'ai été au boulot aujourd'hui, écoutez, voilà ce qu'elle m'a envoyé comme message. Elle pourra lire les parties supprimées. On va prendre le téléspectateur en ligne. Monsieur ou madame en ligne, bonjour. Bonjour. Ah, c'est une dame. Merci beaucoup. Présentez-vous, s'il vous plaît. Madame Hungay, depuis Agla. Madame Hungay, on vous écoute. Très bien. Alors, moi, je trouve que c'est un couteau à double tranchant. Waouh. Et ça dépend également de comment est-ce que la relation a pris fin. C'est ça. Parce que parfois, certaines personnes se séparent très en colère et ils n'arrivent plus à se supporter. Alors, si nous sommes dans ce cas de figure-là, je pense qu'il n'y aura pas vraiment problème que ces deux ex-là travaillent ensemble. Mais dans le cas contraire, si c'était peut-être la femme qui avait été blessée et qui aimait encore son, son conjoint quand la rupture a eu lieu, ce serait un peu difficile. Si elle n'a pas pu faire, le deuil ou blesser ses blessures, guérir ses blessures, oui. Avant de se retrouver là. C'est ça. Maintenant, le plus important est que une femme mariée doit avoir certaines vertus. Et la fidélité fait partie de ces vertus-là. C'est ça. Elle a vraiment cherché ce travail depuis des années. Oui. Elle s'est retrouvée là, à un poste. Le plus important pour elle serait de maintenir son travail et chercher à maintenir quand même une certaine ambiance dans son travail, tout en respectant son mari et son mariage. Donc, quel que soit... Oui? Oui, selon vous, tout doit se jouer au niveau de la femme. C'est à elle, n'est-ce pas, de rassurer son homme à la maison et de jouer, les professionnels au boulot et éviter, tout rapprochement avec l'ex en question. C'est exactement ça. Elle doit jouer son rôle à la maison, respecter son mari, respecter son mariage. Mmh. Et elle n'a plus rien à foutre avec ce monsieur-là, si ce n'est pas une relation professionnelle. C'est... D'accord. Madame Hungay? Oui? Merci pour votre intervention de ce matin. Je vous en prie. D'accord. Justine Jérôme, c'est vous qui développiez tout à l'heure. Imaginez un instant, vous êtes ensemble avec votre épouse en train de manger à table. Ce sont des ce qu'il appelle pour un point, pour un papier de service. C'est professionnel. Mais non, je ne suis pas d'accord. Non. Pas question. Ah bon? Elle a déjà fait. Vous n'êtes pas question parce que c'est l'ex. Bien parce que c'est le boulot. Parce que c'est l'ex. Bien évidemment, même si c'est pas laissé, c'est un patron qui doit appeler au-delà. Mais est-ce que votre réaction n'est pas de nature à paralyser, le fonctionnement normal du travail, du service? Pas du tout. J'aime ma femme. Et je dois quand même. Mais vous semblez ne pas aimer son travail. Non. J'aime bien son travail. Et en tant qu'époux, je dois l'aider à avoir d'autres services si vraiment je l'aime. On n'a pas besoin nécessairement aussi de travailler dans la fonction publique avant de réaliser ses projets. Oui. Juste pour des questions de jalousie. Est-ce que c'est une question de jalousie à ce niveau? C'est parce que je l'aime. Des questions de méfiance. Je ne veux pas la perdre. Et je sais, j'ai déjà eu des exemples, j'ai déjà eu des cas pareils. Nous avons vu des gens qui se sont séparés avec le S depuis des années. L'S est peut-être au nord, elle est à Cotonou, mais qui se sont vus facilement. Ils ont su coller la morsure. Vous voyez un peu, mais... Téléspectateur en ligne, bonjour. On a un téléspectateur, je crois. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est madame. Madame, merci de vous présenter. C'est Madame Sourokou, je vous appelle de Naki Tengu. Madame? Madame Sourokou. Madame Sourokou. Oui, de Naki Tengu. La population de Naki Tengu vont bien, j'espère. Oui, très bien, merci. Allez, on vous écoute sur le sujet. Ok. Bon, je suis en train d'écouter le débat depuis, mais personne ne parle de confiance dans cette histoire. D'accord que vous êtes marié à une femme en qui vous n'avez pas confiance. C'est ça. Parce que si toi, un homme, tu t'es engagé avec une femme, c'est parce que déjà préalablement, elle a des vertus. Elle a certaines choses qui t'a plu et qui t'a permis de te marier à elle. C'est ça. Mais si tu as une femme
en qui tu as confiance et tu sais qu'il y a certaines limites qu'elle ne peut pas atteindre et qu'elle ne peut pas franchir, mais il n'y a pas de raison. C'est ça. Qu'elle travaille dans la même société que son ex. Et que vous êtes parfaitement au courant de comment leur histoire. Toutes les femmes, quand tu rencontres un homme, ouais, clairement, tu vas lui expliquer un peu ce qui s'est passé avec ton ex. Un peu. Donc, si c'est une situation qui, je ne sais pas, en tout cas, ce qui est arrivé à ce que toi, tu n'as pas pu me garder. Mmh. Et que moi, j'ai refait ma vie. Mmh. Je me suis mariée, j'ai peut-être des enfants. Mmh. Si on se retrouve dans le même service, qu'est-ce qui va me faire revenir en arrière si véritablement je suis quelqu'un qui veut construire une bonne vie, si je suis quelqu'un de responsable? Mmh. Donc, la plupart du temps, quand la femme est une femme bien, de bonne moralité, mmh, jamais elle ne peut céder à ça. Et il y en a encore. Je vais vous dire encore que dans les cas de fidélité, là, il y a les hommes qui cèdent rapidement par rapport aux femmes. Hein. Mmh. Parce que la femme, avant d'être infidèle, elle pense à ses enfants. Mmh. Elle pense à son honneur. Et l'homme pense à qui? À rien du tout. Pardon? Il ne pense absolument à rien. Non, Zakia, sans me répondre à votre place. Je veux votre réponse vous-même. Vous dites que la femme, avant d'être infidèle, elle pense à ses enfants. Oui. Et l'homme pense à qui? Elle se dit, mais si on m'attrape sur le fait, je risque de tout faire. Alors que l'homme, lui, il pense à tout ça là après l'acte d'infidélité. Il ne pense même à rien, il pense à son plaisir à l'instant. On dirait que Zakia est un homme. C'est-à-dire qu'il pense à la place des gars. Madame, poursuivez. Dans ce cas-là, si toi, l'homme, tu as confiance en toi, ouais, en tant qu'homme, tu as confiance en toi, tu sais que je prends bien soin de ma femme, ma femme n'a pas de raison de me tromper, et tu sais que tu as une bonne femme, il n'y a pas de raison. Maintenant, après, par rapport à comment les choses se passent au service, oui, si toi, l'homme, tu constates que la femme ne te respecte plus ou bien il y a quelque chose qui a changé chez elle, alors là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez en discuter. Et puis, si la femme refuse de comprendre, là, elle peut quitter le travail. Mais si jusqu'à là, elle n'a pas donné une raison de te faire croire qu'elle est infidèle ou bien elle a souci avec son ex, il n'y a pas de raison. C'est ça. C'est normal, c'est vrai. D'accord. Madame Soakou, merci beaucoup pour votre intervention de ce matin. Vous allez dire en notre nom bonjour aux populations de Nati Tengu. Merci beaucoup. Oui, Zakia Tlatunji, qui pense à la place des hommes. Qui pense à la place des hommes ce matin. Écoutez, on se connaît. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a un élément important qui a été évoqué, je crois, par les deux dames qui sont intervenues. Par les deux dames. Les... vous voyez la cible. Allons-y, Zakia. La confiance, c'est important. Et pour en revenir aux interventions des hommes maintenant, parce que vous avez évoqué aussi ça, si la femme me connaît, donc vous ne connaissez pas votre femme. Et de la même manière que vous dites, elle me connaît, elle sait que je suis que... Mais justement, elle sait aussi que quand il y a possibilité de regarder à côté là, vous êtes très fort dedans. Et justement pour ça, elle aussi, elle peut ne pas avoir confiance en vous. Et quand on regarde à côté, on voit quoi ou qui? Tout ce qu'il y a à côté. De tous les côtés. Donc moi, je pense, de façon très sérieuse, il y a l'élément confiance. Ouais, donc, à partir du moment où il n'y a pas de confiance, c'est vraiment difficile dans de dire que vous êtes avec dans votre premier développement, on a dit que la confiance a déserté le poids. Non, je dis, si l'homme ne peut pas faire confiance à sa femme, ça veut dire que la confiance a déserté le foyer. Pourquoi il continue de rester ensemble? Mais avant la question, il y a beaucoup de imaginons. Pourquoi vous pensez que c'est dans ces imaginations-là, ces différents feuilletons que vous imaginez dans votre tête, que forcément les relations doivent pouvoir se construire dans un milieu de travail. Vous avez d'autres feuilletons que vous allez nous mettre en scène tout à l'heure, le temps qu'on écoute notre spectateur en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Non, c'est madame. Madame, merci de vous présenter. Oui, je suis Arlette Beno Saizonou. Vous appelez d'où? J'appelle à papa. On vous écoute.
Oui, bonjour. Bien, bonjour. Bonjour, madame intervenir. Oui. Oui, bonjour, Zakia. Comment ça va? Ça va très bien. Du courage, allez-y, les hommes ne vous feront pas peur. Il y a un nouveau membre du syndicat. Madame Saisonou, on vous écoute. Madame le maire, oui. Vraiment, oui. Merci pour ce soutien ce matin. Vous devenez un membre honoré de votre syndicat. N'ayez crainte, la femme a toujours été forte. Très forte. D'accord. Bon, donc je vous disais, par rapport à cette cohabitation, il faut faire très attention. Voilà. La cohabitation crée des énergies qu'on appelle attractives. Vous voyez? Donc, ça peut même créer des énergies renouvelables à l'effet de renouveler les relations antérieures. Quelle que soit la force de l'un et de l'autre, Le fait d'être ensemble tous les jours, ça crée un certain amour qui peut renaître. Mais il y a des gens de forte personnalité qui savent dire non. Vous voyez, qui savent dire non. Elles sont nombreuses là. Et donner des limites. C'est ça. Maintenant, si c'était moi, je me ferais ami à cette ex-là. Je me ferai ami à cette ex, à mon conjoint. Oui. Et bon, le fait que nous soyons ensemble tous les jours, ça va peut-être limiter si elle a quelque chose encore dans la tête. Est-ce que vous voyez? Parce que ce n'est pas évident, il n'y a pas. Si vous voyez, les psychologues, ils vont vous dire, non, ce n'est pas vrai. Le fait de vivre ensemble, ça crée, même quand vous ne vous entendez pas, le fait que vous soyez ensemble là, tous les jours, ça va créer un certain amour. Et comme ils se connaissent déjà, jusque dans le sacré, ils se connaissent. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils vont se cacher là encore maintenant? Vous voyez? D'accord. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, ce n'est pas recommandé. D'accord. Mais si c'était ça, d'accord. La dernière solution, d'accord. C'est que moi, l'époux, et qu'on appelle la conjointe de ce conjoint-là, je me ferai ami à l'ex. Et nous serons tout le temps ensemble. Ça va limiter les dégâts. Ça va vous permettre de bien le surveiller. Mais non, pas surveiller, non. On perd le temps à surveiller une d'accord. femme. Mais je me ferai ami à elle. D'accord. C'est tout. Je me ferai ami à elle. Madame Arlette Bello-Saizonou, merci beaucoup pour votre intervention merci. De ce matin. Bien de choses aux populations du premier arrondissement chez vous là-bas. Je ne manquerai pas. Merci je beaucoup. Je ne manquerai pas. Herman Anangoussou. D'ailleurs pour eux. Merci beaucoup. Ok, bonne journée. Oui, je ne veux pas tomber dans le piège de ces hommes. Ils disent non, c'est non. Non. Il y a des hommes qui ont dit non plusieurs fois. Qui disent non, mais qui viennent ajouter mais. Mais non, mais. C'est pourquoi on nous apprend une dissertation. J'apprécie cette franchise de Herman ce piège. Herman vient dire ce piège. Non, le travail sauf pour cette petite partie. Ce piège, je l'ai vu. Je ne sais pas tout ce qui va suivre. Ce piège. Pour cette partie-là. Ce piège, je l'ai vu. Vite, parce que vous l'avez dit, quand la femme veut commettre, non, c'est pas vous. Quand la femme, avant que la femme ne commette l'infidélité, elle pense à ses enfants. Parce que justement, il y a quelqu'un qui dit à l'autre, sors de ma chambre. Vous comprenez? C'est pas la femme qui dit. C'est pas la femme qui dit à l'homme, sors de ma chambre. Sauf si tu es un rienfaiseur. Sauf si tu es un rienfaiseur. Dans ce cas, je pense que la femme pense à ça parce qu'il y a quelqu'un qui est maître et qui coordonne l'action familiale. La CAF. La femme ne sait pas tout ce que ce monsieur-là fait dehors ou à l'intérieur pour que le foyer soit en bonne santé. Qu'est-ce que vous comprenez? Du coup, et je ne voudrais pas non plus changer l'ordre du monde. L'ordre normal. Des choses. Pourquoi vous avez peur que je sois dans le même boulot que mon ex? Est-ce que c'est interdit? Parce que si jamais le pire survenait chez vous, c'est moi qui vous dis sortez de ma chambre. C'est ça. Mais vous n'allez pas me dire ou à moi de sortir de ma chambre de votre chambre. Non. Alors on va confiance. Et sachez que le pire n'arrivera pas. Il est parti, je poursuis. C'est-à-dire qu'en réalité, le fait d'être un peu, d'être craintif, c'est pour sauvegarder la vie du couple que je suis craintif. Sinon, j'ai rien à foutre que ma femme soit dans une version, n'est-ce pas du tout. J'ai rien à foutre. Elle peut commettre tout ce qu'elle veut. Elle peut pas rentrer dans ma chambre. Ou alors elle part.
les enfants. Il faut un respect des institutions. Vous allez réagir. On n'a pas peur. Je vous donnerai le temps nécessaire pour vous dire que vous aviez une question à Zakiat, ça va lui permettre de profiter et répondre à tout. Vous avez une question tout à l'heure. La question que j'avais juste pour poser à Mme Latundi, c'est pour demander un homme qui a été déjà trahi et sa femme l'a trompé avec peut-être son ex. Il est revenu. Je dis bien, sa femme l'a trompé peut-être avec son ex et l'homme a été victime de ça. Vous voulez demander à cet homme-là d'avoir confiance encore à sa femme. D'accord, on va prendre le téléspectateur en ligne et Zakiat va répondre. Bonjour monsieur ou madame en ligne. Bonjour, c'est Saint-Tiche Quimpon. Quimpon Saint-Tiche, bonjour. Bonjour le plateau. On vous écoute très rapidement. Bonjour. Le sujet de ce matin, ça m'intéresse. Je ne sais pas pourquoi les gens trouvent toujours d'histoire quand il y a un homme ou une femme quelque part. Mm-hmm. Moi, je pense qu'il n'y aurait pas de problème si la dame, en relation, dans sa relation actuelle, n'a pas de complexe avec son homme, n'a aucun souci avec son homme, il n'y a pas de problème, qu'elle se retrouve avec son ex dans le même service. Ça ne va rien créer de nouveau. On peut dire que la femme est sensible ou que quand ils sont ensemble tout le temps, il y a quelque chose qui va se créer. Mais ça dépend de l'homme actuel. Si l'homme actuel n'atteint pas le niveau de ses tests-là, quand la dame était avec son ex, elle va avoir tendance à vouloir certaines choses qu'elle avait, mais qu'elle n'a plus. Donc, c'est le pas niveau. Oui. Ça pose déjà un problème, non, Saint-Tiche Quimpon? Bon, ça pose déjà un problème. Voilà, évoluant. Ça pose déjà un problème. Maintenant, si vous vous retrouvez avec votre ex dans votre bureau, où vous serez appelé à être tout le temps ensemble, il faut mettre les bases. On était ensemble, on n'est plus ensemble. C'est ça. On n'est plus ensemble, il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire ensemble, même si on est amis. Et il y a certaines choses qu'on ne peut plus se dire, même si on est amis, si on est collègues. Mais non, l'homme ne doit pas demander à la femme, parce qu'elle s'est retrouvée avec son ex dans le même service, de quitter ce service-là ou de quitter sa maison. Parce qu'il y a déjà un problème de manque de confiance. Si mon homme a confiance en moi, je suis mariée avec lui, je suis avec lui, on a des enfants ou pas ensemble, et je suis bien avec cet homme-là, je ne sais pas ce que ces tests-là vont m'apporter de nouveau que je n'ai pas dans mon couple. Donc, il n'y a même pas assez de... Parce que ton ex est là, quitte là. Vous voyez, je trouve qu'il n'y a pas un grand problème à cela. Ça dépend de comment vous avez quitté ces tests-là. Ça dépend de la relation dans laquelle vous êtes avec votre homme actuel. Et ça dépend de vous, vos vertus. Si vous savez qu'au fond de vous, vous aimez votre homme et que vous n'allez pas le tromper, bon... Si vous avez pitié de lui, quoi. Vous dites? Si vous avez pitié de lui, quoi. Ah non, pas pitié de lui. Si vous l'aimez et que vous savez que c'est lui et pas l'ex, là, pourquoi il a un ex? Parce que vous ne vous êtes pas arrivé à vous coordonner, à vous entendre. Donc, si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez actuellement, il n'y a même pas de souci. Le souci aura lieu quand vous n'aimez pas cet homme-là ou quand cet homme-là. Ah, vous avez des attentes que vous ne trouvez pas avec lui, mais que vous avez peut-être avec votre S. C'est ça. Alors, vous voyez. Saint-Tiche Quimpon, on a compris l'essentiel de votre développement. Oui. Et pour revenir à la question de tout à l'heure, je voudrais compléter un peu notre téléspectatrice en disant quoi. Et quand vous êtes avec une femme, c'est ce que vous connaissez déjà son point faible. C'est ce que vous connaissez déjà, ce qu'elle aime. Peut-être que c'est votre habillement qu'elle aime, c'est peut-être votre manière de parler qu'elle apprécie, c'est peut-être. Mais quand vous la voyez dans le même service que vous, et vous avez peut-être envie de reprendre avec elle, c'est en ce moment que l'homme va commencer par arranger peut-être son habillement. Il viendra au boulot le matin, pimpant, chic, avec les parfums qui ne dit pas son nom. Ou c'est peut-être une femme qui adore les senteurs aussi. Dans le cas contraire, mais vous voyez un peu. Donc rapidement, la femme peut encore renouer avec les anciennes habitudes, les anciens comportements. Et je posais la question tout à l'heure à Mme Latondi pour savoir si peut-être c'est un homme qui a été déjà trahi par sa femme. Sa femme l'a trahi avec son ex par le passé. Elle a vu toute la scène devant lui. Est-ce qu'on peut lui demander aujourd'hui de faire encore confiance en cette femme-là? Non, la question posée comme ça, je comprends, parce que le monsieur a eu un antécédent. Il fut blessé. Il a été blessé et le chat échaudé, bien entendu, craint l'eau froide. Donc, je comprends entièrement. Mais ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Rien ne veut dire que tout
toutes les possibilités, dans tous les cas, on aura forcément un homme qui a déjà connu une situation comme ça et qui est tout frileux parce qu'il ne souhaiterait pas retomber dans un cas de figure comme ça. Donc, vous comprenez avec moi que c'est pareil même pour la femme. Hein, quand vous avez été victime d'une déception, vous remettre dans une autre relation vous fait peur. Parce que vous demandez à est-ce que. Oui. Mais après, il y a l'élément confiance qui revient et c'est quand même assez important. Et il ne faut pas oublier, dans ce cas-là, peut-être même que l'ex dont on parle a aussi une relation à sauvegarder. Il a peut-être sa vie de famille qu'il ne souhaiterait pas vraiment voir en éclat. Et donc, forcément, qu'il défend. Il peut ne pas être intéressé du tout par la femme. Oui. Ou alors, c'est peut-être une histoire d'un coup en passant, mais la femme va réfléchir aussi et se dit, mais je suis dans une relation. À moins que le mari en question de la femme, lui-même n'arrive pas vraiment à bien gérer sa femme, il peut se mettre à se poser mille et une questions. Donc, de part et d'autre, chacun d'eux peut avoir sa relation qu'elle veut sauvegarder et ne pas prêter flanc à une possibilité. Je crois qu'on a un téléspectateur en ligne. Ce serait le tout dernier de ce matin. Bonjour, monsieur ou madame Ali. Bonjour. Merci de vous présenter. Ghislain Aïssor. Oui. Waouh. On vous écoute. Vous nous appelez d'où? J'appelle de maintenant. D'accord, on vous écoute. Je voulais juste vous dire que la confiance, c'est la confiance. Hein. C'est ça. Moi, je peux avoir ma femme. Elle peut travailler pendant avec 10 S. Personne ne peut la regarder. Personne, il n'y a rien. Si vous, vous l'aimez vraiment là? Même le PDG perd son S, il n'y a rien. Je peux ne pas. Vous comptez sur quoi là? Sous nous globules. Quand tu prends une femme et tu fais la dot, il faut savoir faire la dot. À Nagba, on l'a Nagba. Ah. Là, c'est spirituel. Donc, si je prends ma femme peut travailler. Tous les hommes du service peuvent devenir stressés. Comment t'as des mères? J'ai dit, il n'y a rien. Vous bloquez tout. Ces êtres-là ont peur de moi parce que c'est moi que la femme aime, que c'est avec moi qu'elle est. Il n'y a rien. Ghislain Aïssor. Je vous en prie, il n'y a rien. Vous êtes... Donc, comment les hommes qui sont sur le plateau, là, si vous finissez l'émission, vous rentrez à la maison, vous aurez un problème avec vos femmes. Hein. Il faut faire confiance à sa femme. Quand tu parles de femme et elle te fait des enfants, elle est chez toi, il faut savoir faire confiance. La confiance n'exclut pas quand même le contrôle. Quel contrôle? Il n'y a pas de contrôle chez la femme. Ah bon? La femme, c'est la femme. La femme peut retrouver son aise partout dans le monde entier. Donc, il ne faut pas avoir peur. D'accord, Ghislain, on va sans doute vous inviter par ici un de ces quatre, hein, un de ces vendredis sur le plateau. Merci beaucoup. Vous voudrez bien laisser votre numéro hors antenne. On va s'occuper de vous de l'autre côté. Je voudrais par ici lire le message d'un de nos téléspectateurs, n'est-ce pas, monsieur Doutetien, qui dit que nous semblons aborder un seul côté, n'est-ce pas, de la question. A contrario, l'homme peut rendre la vie difficile à cette femme pour éviter de tomber dans un piège de reprise des relations avec elle par fidélité à sa femme actuelle. C'est monsieur Doutetien qui a contribué aux échanges de ce matin. J'aurais bien aimé, n'est-ce pas, qu'il puisse nous appeler directement. Herman Aniabosso, on va faire le tout dernier. Si on s'en tient au test en vigueur, on parlera là de harcèlement sexuel. Oui, on pourra aller sur ce terrain. La femme qui se sent menacée au boulot parce que le monsieur veut éviter les choses. Je pense qu'ils ont un travail dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Si le monsieur éviter que leur cohabitation pose problème au fonctionnement du service. Donc si il rend la vie difficile à ma femme parce qu'il ne veut pas tomber dans un piège d'une reprise, non. Je pense que ça, on pourra encore parler. Parce que l'homme, il y a des hommes, quand ils veulent vous aborder, ils vous rendent la vie difficile d'abord. Pour vous amener à fléchir auprès d'eux. Je pense que c'est beaucoup d'éléments. Il faut gérer. Non, ils ont tout dit. Il faut aider à s'y relever votre assis. Quand vous êtes marié, vous mariez à nouveau. Donc, si ça l'a fait, c'est pourquoi j'aurais bien voulu que Hassan Medewayo soit présent à côté de moi. Il faut nous dire comment on se marie après le mariage. On va l'éviter pour ça. Zakia, tu as beaucoup à dire ce matin. Dans d'autres considérations, mais pour rester terre à terre, là. Oui. À partir du moment où vous avez décidé de vous marier avec une personne, c'est que vous avez pris le temps de vous connaître et vous avez compris que c'est vraiment la personne qu'il vous faut et que vous pouvez rester avec cette personne-là. Normalement, vous n'avez plus à regarder à gauche et à droite. Si en temps,
j'étais avec quelqu'un, que je me suis séparée avec cette personne, qu'elle est devenue mon ex, oui, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer ensemble. Donc, ce n'est pas maintenant que j'ai consolidé mes relations avec une autre que je vais me remettre maintenant avec cette nouvelle personne. Absolument pas. Donc, il faut pouvoir se faire confiance, comme on a dit, dans, oui, une relation. Maintenant, dans cette confiance-là, il y a qu'il faut rester quand même regardant sur un certain nombre d'éléments. Oui. Et ces éléments dont on parle, c'est les imaginations dans lesquelles chacun d'entre nous s'est, oui, s'est retrouvé tout à l'heure. D'accord. Et quand il y a des situations... Oui, vous avez imaginé des cas de figure. Ça ne veut pas dire que forcément ça se passe comme ça dans la réalité. Donc, si on se retrouve dans ces cas de figure pour faire plaisir à Herman, il faut attirer l'attention de la femme. Et si vous vous rendez compte que vraiment là, ce n'est pas possible, il vaut mieux trouver d'autres solutions pour véritablement sauvegarder votre relation, tout simplement. Bon, pour finir rapidement, je dois remercier aux téléspectateurs de Canal 3 et dire que ma femme travaille dans le même service que son ex. Ce n'est pas chose impossible, ça peut arriver, mais il faut juste être éveillé et avoir vraiment confiance en cette dernière, sinon le pire peut-être peut arriver. Quoi. D'accord. Alors qu'on a besoin d'être en paix dans un couple, nous travaillons à coordonner les affaires familiales. Oui. Nous travaillons à ce que les affaires sociales également soient assurées chez nous. Donc il peut arriver que l'homme dise non, 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 et qu'il regarde dedans pour dire bon, mais. Et leur compte demain, quoi. Mais, ouais, c'est pour, ça pouvoir, qui, pour pouvoir faire le social. C'est tout ça qui fait que. la téléspectatrice qui a dit tout à l'heure qu'il faut faire amitié avec oui, ça, madame, l'ex de son. Je pense que c'est une manière de cotiser pour payer peut-être son cercueil. Parce que quand vous avez déjà arraché cette dernière, peut-être qu'il n'est pas content de vous. Il vous cherchait depuis des années. Il n'a pas eu les portes nécessaires pour vous atteindre. Maintenant, quand vous cherchez à être ami avec ce dernier, vous vous rapprochez beaucoup. Vous voyez pour manger, pour boire ensemble. Je pense que c'est pas... Confiance par ici, méfiance de l'autre côté. Merci beaucoup. Herman Metton qui nous appelait ce matin. Madame Dossouvi également. Mathieu Affon qui nous appelait depuis Aïbaté au Sénégal. Ou n'est-ce pas, depuis l'Étoile Rouge. Il y a eu l'appel d'Agla et de Madame Hongue, Madame Srokou aussi, qui nous a appelé depuis Natitengu, Arlette Bello Saizonou d'Akpakpa, c'est le premier arrondissement de Cotonou. Il y a eu Saint-Tiche Quimpon et Ghislain Aïssor qui nous a appelé tout à l'heure de Menantin. Merci beaucoup à tous ces téléspectateurs. Manania Bossou, merci. Ghislain, Jérôme, merci pour le plaisir partagé ce matin. Zakiat Latundji, merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle l'intelligence artificielle? C'est pas les robots. On va faire venir par ici Brunice Padonou, n'est-ce pas? Elle est formatrice en programmation Python à l'école d'été de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Et Lucien Dagnon, lui, il est ingénieur de développement logiciel. Avec eux, on va comprendre la notion d'intelligence artificielle qui fait, je dirais, l'actualité au Bénin. Et ça suscite, bien entendu, curiosité. On verra de quoi cela retourne dans une poignée de secondes. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitefm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion, se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. D
Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Brunice Padono, bonjour. Bonjour à vous, monsieur. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. Vous êtes formatrice en programmation Python, c'est bien ça, hein? Oui. À l'école d'été de l'intelligence artificielle. Bienvenue. Et vous, Lucien Dagnon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous également. Vous êtes ingénieur de développement logiciel. On verra de quoi cela retourne tout à l'heure. Mais on a noté en début de semaine, c'était lundi dernier, donc, que la Fondation Vallée, son organisation non gouvernementale Bénin Intelligence, perpétue l'initiative de l'école d'été sur l'intelligence artificielle. L'année dernière, il y a eu, je dirais, ce même rendez-vous réussi. Et donc, la deuxième édition a été officiellement lancée dans la matinée de lundi. C'était dans Boumé-Calavi. L'intelligence artificielle, n'est-ce pas, fait appel à l'action des machines à la place des êtres humains, mais de façon beaucoup plus profonde. Lucine Brunice Padono, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là très concrètement? L'intelligence artificielle, c'est quoi? L'intelligence artificielle, de façon simple, c'est l'ensemble des techniques qu'on met en place pour pouvoir permettre à des machines de réfléchir, de faire des actions par eux-mêmes, comme un humain. D'accord. Donc, ce sont les machines qui fonctionnent un peu comme des robots. C'est bien ça, hein? N'est-ce pas? Quelle est, je dirais, pourquoi vous avez créé, je dirais, l'école d'été sur l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est au centre de l'essor, au centre de beaucoup de choses aujourd'hui. Et du coup, on s'est dit, en Europe, c'est déjà répandu. En Amérique, c'est déjà répandu. En Asie, c'est déjà répandu également. Mais en Afrique, on est un peu à la traîne et on a dit, pourquoi ne pas faire intervenir les jeunes, leur montrer de quoi il est question et les inciter à s'adonner au métier de l'intelligence artificielle pour qu'on n'ait pas un retard par rapport aux autres. D'accord. Il y a eu cette formation qui, je crois, a été officiellement lancée. C'était lundi dernier. C'était lundi dernier. Je vais revenir à vous, Lucien Padono, vous qui êtes ingénieur. Lucien Dagnon, vous qui êtes ingénieur de développement logiciel. Vous avez été, je crois, lauréat au niveau de l'école d'été, c'est ça? Non, j'ai été formateur l'année dernière. Formateur cette année. D'accord. C'est Brunice qui a été lauréate l'année dernière. La formation, ça apporte sur quoi concrètement? Ça dure sur un mois et on aborde plusieurs thématiques. Donc la première semaine, on porte sur l'initiation, en fait, sur l'informatique. La deuxième semaine, sur le machine learning. Et la troisième semaine, sur la robotique. La dernière semaine, elle est réservée pour des projets d'application. Donc les participants vont mettre en œuvre tout ce qu'ils auront appris pendant les trois précédentes semaines pour mettre en œuvre, en fait, des projets concrets et qui pourront les présenter lors de la journée porte ouverte à la fin de cette école d'été. D'accord. Il y a un profil particulier pour ceux qui doivent prendre part à cette formation? Non, pas nécessairement. On a eu des candidatures de gens venant de divers horizons. Comme sélectionnés, par exemple, on retrouve des étudiants, des enseignants, des directeurs d'école. On a eu des candidatures de gens venant de la police républicaine. Ça vous dit que l'intelligence artificielle concerne tous les secteurs d'activité. D'accord. Je crois que c'est la deuxième édition. On l'a bien dit. Quelle est la particularité? Qu'est-ce que ça apporte de nouveau par rapport à l'année dernière où la même initiative a été lancée et ça s'est soldé, je dirais, par des lauriers, pour ne pas dire par de bons résultats? Cette année, la particularité, c'est qu'on a étendu, du coup, les inscriptions à l'international. Donc, on a des candidats venant de plusieurs pays africains francophones, du Togo, du Burkina, du Niger, du Madagascar, Burundi et autres. Et aussi, on a fait une section junior cette année. Donc, pour des apprenants de la 6e en 3e, pour les initier plutôt à l'informatique, donc avec un langage particulier qui s'appelle Scratch. Donc, ce sont les deux principales particularités de cette deuxième édition. Et sans doute, vous allez relancer l'année prochaine. On va y revenir. Brunice Padono, pour vous qui avez été lauréate l'année dernière, racontez-nous l'aventure de l'année dernière, puisque vous êtes encore là cette année.
Le IA 2021 a été une belle expérience pour moi. Déjà, quand on m'a parlé de l'école d'été, je me disais, ah, c'est sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il n'y a que dans les films. On a souvent vu les exemples, mais si on peut toucher du doigt et comprendre ce qui est derrière, ce sera intéressant. D'accord. Et tout d'abord, c'était la programmation Python qui m'intéressait. Je me dis, programmation Python, ouais, c'est un nouveau langage de programmation. Mmh. Je vais apprendre et voir. Donc, c'est sur ce projet que vous avez travaillé, c'est ça? Non, non, le projet sur lequel j'ai travaillé, c'est le projet Epidemio. D'accord, on va revenir sur ce projet tout à l'heure. Vous développez, n'est-ce pas, le programme Python. La programmation Python, c'est un langage de programmation assez simple et qui est utilisé dernièrement dans plusieurs domaines, surtout dans le domaine de la data science. D'accord. Et c'est un domaine, c'est un langage de programmation très facile à portée de tous. Oui. Ensuite, il y a eu le machine learning. Le machine learning qui est un domaine dans lequel on permet à la, on met en place des modèles qui vont apprendre, qui vont permettre à la machine de réfléchir C'est de s'auto-défendre ou bien de se mettre en connexion? De pouvoir faire les choses, des actions par elle-même sans que autant l'humain soit derrière pour le guider à le faire. D'accord, donc c'est de fonctionner de manière automatique, si on peut le dire. Voilà, tout à fait. Et sur quel projet vous avez travaillé plus concrètement? Sur le projet Epidemio. D'accord, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça consistait à prédire le taux de mortalité d'une épidémie en fonction de certains paramètres qu'on a eu à définir. Oui. Un environnement donné et un nombre de personnes données. Mmh. Et ce projet a vu le jour en raison de l'épidémie de coronavirus qu'on a eu en 2019 et qui a fait pas mal de dégâts. D'accord. Donc on a dit, on va mettre en place des modèles et voir comment on peut faire face à ce genre de choses. D'accord. Permettre aux docteurs, permettre à tous de pouvoir décider, prendre des décisions concrètes. D'accord. Sur quels facteurs agir pour pouvoir quand même contenir ce virus. D'accord. Donc c'est ce que le projet Epidemio a pu... C'est ce que le projet Epidemio nous a permis de faire. D'accord. Alors, quand on fréquente, je dirais, l'école d'été sur l'intelligence artificielle et qu'on a bénéficié de la formation des formateurs comme Lucien et Dagnon, que devient-on exactement? Ben, on a envie de faire mieux, de pouvoir les rendre fiers que ce qu'ils ont planté en nous comme graines ne puissent pas mourir. Mmh. Chercher à connaître plus et pourquoi pas tendre vers les branches des métiers qui ont rapport avec l'intelligence artificielle. D'accord. Lucien Dagnon, je voudrais me baser vraiment sur, je dirais, la formation telle que cela se déroule. Qu'est-ce qu'on garde pour venir? C'est-à-dire un peu comme les listes de fournitures. On vient seulement, on suit les cours. Comment ça se déroule de façon pratique? Tout le matériel est préparé, en tout cas les supports de cours sont préparés par l'équipe pédagogique. D'accord. Pour les apprenants qui ont leur propre ordinateur, ils sont libres de venir avec. Sinon, BNSCLance propose en fait met à disposition un certain nombre d'ordinateurs pour permettre à tous les participants de suivre les cours. D'accord. Et le reste, on leur demande juste de l'attention, de la concentration et de ne pas hésiter surtout à poser des questions s'ils ne comprennent pas. Parce que le but, c'est justement d'apprendre. Oui. Et tous les formateurs sont là pour ça et ils prennent un réel plaisir à transmettre le savoir sur le sujet. D'accord. Vous êtes bien ambitieux. Vous ne semblez pas vous arrêter en si bon chemin puisque c'est la deuxième édition. Quelles sont les dispositions que vous prenez pour que ça puisse vraiment être pérennisé? Faut dire qu'à la suite de la première édition, par exemple, il y a un club d'intelligence artificielle qui a été mis en place à la bibliothèque BNSCLance. Ce club-là permet du coup d'aborder les différentes thématiques sur l'intelligence artificielle, de faire des projets concrets aussi. Et il est ouvert à tous et à tout le monde. Donc, que ce soit des apprenants ou des professionnels, ils sont libres de venir, de s'inscrire et de pouvoir y participer. D'accord. Vu que pour l'école d'été, tout le monde n'a pas cette chance-là d'y participer. Oui. C'est du coup l'opportunité de suivre quand même ce qui a été fait. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des plateformes pour la Fondation Vallée où tout se déroule de façon globale, je dirais, en collaboration avec Bénin Intelligence? Il doit y avoir sans doute des plateformes pour ceux qui souhaitent beaucoup plus d'informations, non? Pour avoir plus d'informations sur l'école d'été, on peut se rendre sur le site web de la Fondation, fondationvallée.org, ou sur la page Facebook Fondation Vallée, ou sur la page Facebook de Bénin Excellence. D'accord. Bénin Excellence et le site web de Bénin Excellence également, bénin-excellence.org. D'accord. Alors, votre mot de conclusion Pour l'école d'été, à part donc, les cours qui sont diffusés, il y a également des conférences qui sont
ouvert à tout public. Donc, l'entrée est gratuite et libre. En dehors, donc, en fait, les conférences abordent différentes thématiques autour de l'intelligence artificielle. Et l'une des conférences, par exemple, sera animée par M. Titio Kossi et qui portera sur comment utiliser l'IA pour améliorer l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises. Il faut rappeler que Titio Kossi est le premier Béninois ayant bénéficié de la bourse de la Fondation Vallée pour aller étudier en France il y a quelques années maintenant. D'accord, c'est une fierté. Une grande fierté, oui. D'accord. Alors, vous avez quoi à dire pour conclure nos échanges de ce matin? Je dirais, ouvrons-nous à la thématique de l'intelligence artificielle. Oui. Essayons d'en savoir un peu plus et pensons vraiment à nous mettre au pas par rapport aux autres pays. D'accord. Alors, ce serait votre mot de conclusion. Je rappelais donc que la Fondation Vallée, donc son organisation non gouvernementale, ça fait Bénin Excellence, qui ont travaillé à perpétuer l'initiative de l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Et depuis lundi, la formation se poursuit, n'est-ce pas? Je voudrais vous écouter, hein, votre mot à l'endroit de Odon Vallée, dont le nom est collé, bien entendu, à cette fondation très rapidement. C'est une grande personnalité dont la générosité n'est plus à démontrer aujourd'hui. C'est ça. Et vous? Comme M. Lucien l'a déjà dit, M. Odon Vallée est une personne très spéciale. Oui. Et il a contribué à changer la vie de plein de personnes. Et on espère qu'il en fera encore plus. D'accord. Alors, bien de choses pour lui par ici. Lucien Dagnon, ingénieur développement logiciel. C'est bien ça. Merci d'être venu sur le plateau d'Actu Matin. Brunice Padonou, vous êtes formatrice en programmation Python à l'école d'été, n'est-ce pas, sur l'intelligence artificielle. Merci beaucoup pour votre passage ce matin. Je vais faire venir par ici maintenant l'enfant Claudio. Il va nous amuser un peu la galerie avec les caricatures du jour. A tout de suite. Venez souffler avec nous ce 31 juillet à la veille de la fête de l'indépendance du Bénin, la première bougie de art résidence. À l'occasion, retrouvez au concert privé Zénab et Gopal Das pour un show explosif. Chacun sa chance. Prix des tables. Table de 2 personnes, 150 000. Table de 4 personnes, 200 000. Table de 6 personnes, 300 000. Attention, bon cadeau, spa offert pour toutes les personnes qui prendront les tables de 6 personnes. Réservation au plus 229 91 71 64 64. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30 69 17 99 99 69 23 55 55 61 62 12 02 WhatsApp email canal3benin@yahoo.com info@canal3television.com fraternitefm@yahoo.com fraternews@yahoo.com. Enfin, Claudio, bonjour. Bonjour. Les caricatures, c'est avec vous. On a quoi ce matin? Bon, on va parler essentiellement de l'UP. L'UP, l'Union progressiste. Voilà, avec les changements qu'il y a eu. Oui, il y a eu tout, je dirais, un bouleversement au niveau du parti Union progressiste. Eh bien, on va vous écouter. Bon, là, on va commencer avec le poste de présidence à la Cour constitutionnelle. Oui. Et notre personnage se demande si ça va être un tirage au sort ou... je sais pas, un concours. D'accord. Lui, il a déjà pris ses précautions, il est en train de bosser la constitution au cas où ce serait un concours. Un concours, voilà. Les questions seront posées la constitution. Donc, il pourrait être le prochain président. On continue avec la seconde caricature, changement à la tête de l'UP, et on voit l'ancien président dans un fauteuil roulant,
et une main qui le pousse, qui dit « Prends soin de toi, le vieux. Oui. » Et lui aussi, avec humour, il dit « Pas de quoi, le jeune. Hasta la vista. » Voilà. Ça. On continue. Législative de janvier 2023, la liste des pièces pour les candidatures. Et celui-là voit que c'est sérieux. L'autre lui demande « Mais où vas-tu ?» Il dit « J'ai raté le bac. Il faut que je prenne la candidature aux législatives très au sérieux. » C'est ça. Donc, il va se préparer. Yaï Boni, médiateur en Guinée. Oui, et voilà de la CDAO. Voilà, voilà. Et voilà qui rencontre Grand P. Oui. Et il dit « Allô, Patrice, je viens de voir un de leurs trésors royaux. Mm-hmm. » On l'appelle Grand P. Et lui qui dit « Faut ajouter Marie de Doxy. » Voilà. C'est ça. C'est ça. D'accord. Et là, c'est le porte-parole de la MINUSMA au Mali. Oui. Qui est personne non grata. Oui, on lui a demandé de plier bagage et de vider les lieux. Voilà, et il dit ceci, porte-parole, un métier à risque. C'est un métier à risque. Voilà. Il faut savoir placer les mots au bon moment et au bon endroit. C'est ça. On continue avec l'UP, Joseph Diogwenou, qui promet un traitement de choc pour le bloc. Et on voit ici avec qui est en train d'essayer de réanimer le bloc. Mais la charge de 10 000 votes, je crois que c'est un peu trop fort. C'est un peu trop fort. Voilà. On continue toujours avec l'UP. Et ce jeune homme l'a dit, bonjour le vieux. Il est aussi de l'UP. Oui. Et le vieux, il dit, mais ça, c'est tu es sorcier. Qui est vieux? Ici, à l'UP, on est tous jeunes. Oui. Jeune, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Voilà. D'accord. Donc, il ne faut pas lui créer des problèmes pour qu'on enlève. Et les jeunes au charbon à l'UP... Mais c'est pas facile, ce jeune homme dit, mais tonton, et si nous, on se met au gaz, est-ce que ce n'est pas mieux? Oui. Voilà, parce que le charbon, c'est un peu lent. D'accord. Mm-hmm. Résultat du bac, ça c'était la semaine dernière. Oui. Et le père qui cherche, il ne le trouve pas, il dit, mais c'est, je lis, refusé, tu n'es pas admis. Et l'enfant qui dit, ton petit crédit internet là ne peut pas voir mon résultat, il faut prendre Wi-Fi. Il faut prendre Wi-Fi. Voilà. Et on va finir avec cette dernière caricature, avec le froid qui souffre actuellement, les conséquences de ce froid-là. On voit la fille qui est enceinte, elle dit, mais papa, mon ventre, c'est à cause de la fraîcheur. Il dit, mais avec tous les pullovers que je t'ai achetés, il faut te couvrir. Il faut te couvrir. Voilà. Ce sera tout, c'est ça. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, l'enfant Claudio. Je vais vous accompagner tout à l'heure avec la revue de presse. Mais avant, je voudrais préciser que la deuxième délibération du baccalauréat, session de juin 2022, celle-ci aura lieu, je crois, demain samedi. Mais en attendant, il y a les candidats recalés qui passent les épreuves orales depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national. Voici maintenant la revue de presse signée Narcisse Alossé. Bonjour à toutes et à tous. En politique, le lendemain du renouvellement opéré à la tête de l'Union progressiste laisse toujours place à des supputations. Le sujet fait encore ce matin la manchette du quotidien Matin Libre qui se demande si les remplacements de Bruno Amoussou, Mathurin Nago et Antoine Kola Oleidji est une retraite politique consentie ou involontaire. En tout cas, la thèse d'une retraite consentie ne convainc pas, titre le journal. À quelques mois d'une échéance électorale majeure, ces grands électeurs voudraient certainement conduire la liste UP aux législatives. Crois savoir mon confrère pour qui une telle occasion est pour tout membre du bureau politique d'un parti, une aubaine pour faire passer ses choix. Du coup, l'avènement de Joseph Diogbenou à la tête du parti Union progressiste suscite certainement des grincements de dents, écrit le quotidien Matin Libre, qui arrive à la conclusion que dans ces conditions, la thèse d'un départ négocié et consenti est difficilement acceptable. Et même si personne parmi les concernés ne veut rompre le silence pour parler des circonstances de leur départ, le canard, lui, est convaincu que quelqu'un parlera sous peu sans le vouloir. Mais en attendant de connaître les circonstances de ce départ, le quotidien Fraternité lui ouvre ses colonnes à l'un des membres fondateurs de cette formation politique, Judikaël Ayadokoun, qui dit être en phase avec les derniers changements opéré à la tête de l'UP. Plus loin, cet ancien journaliste, aujourd'hui manager des services publics, entend jouer sa partition pour le renouvellement de la classe politique. D'ailleurs, les journaux nous apprennent qu'il offre demain samedi un espace d'expression à la jeunesse. Ce sera la faveur d'une causerie de débat à Abou Mekalavi, précise les canards.
conversation avec les jeunes. C'est ce samedi avec Judicaël Ayado qu'on peut en lire à la une du quotidien Matin Libre. Jeunesse et développement, Judicaël Ayado qu'on rencontre à Bomekalavi demain samedi, ajoute Nord-Sud Quotidien en haut de une. Le quotidien Fraternité le publie dans ses colonnes. Les propos de l'homme qui dit vouloir désormais s'associer à la jeunesse pour porter ses aspirations au sein de l'Union progressiste. Pour Judicaël Ayado qu'on, l'avenir de la jeunesse se décide aujourd'hui. Un peu comme au niveau de la classe politique nationale, la course à la conquête des postes au sein des structures dirigeant le monde artisanal est aussi lancée depuis quelques jours. Et ceci pour l'élection à la Chambre des métiers de l'artisanat. Le sujet fait le gros titre du quotidien La Nation, qui nous apprend que la campagne électorale bat son plein sur le terrain. Dans la suite, ce matin, le quotidien matinal nous emmène à l'université d'Abomey-Calavi et nous apprend que les activités paramilitaires des étudiants sont désormais interdites sur le campus. À en croire le journal, la décision vient du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui dit constater que les étudiants soldats désignés se livrent à des sévices graves sur leurs camarades et les usagers du campus. Et dans un communiqué publié par le matinal, Alassane Seydou invite instamment les instances fêtières des organisations étudiantines à mettre fin le plus rapidement possible à cette activité qui consiste à former des étudiants soldats. Toujours à l'université d'Abomey-Calavi, le quotidien Fraternité fait une incursion dans les locaux de notre confrère Radio Univers et constate que dans la grille des programmes, il y a peu de place accordée pour les émissions concernant l'éducation sexuelle. Or, souligne le journal, c'est un sujet d'intérêt collectif sur lequel devrait s'attarder cette station, définie d'ailleurs comme communautaire. Dans un contexte étudiantin familier au harcèlement sexuel, à la prostitution et autres mots d'ordre sexuel, la contribution de Radio Univers à satisfaire les besoins des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi en matière d'éducation sexuelle est souhaitée. Conseil Fraternité qui, sur la question, a donné la parole à certaines personnes qui ont pris le devant de ce sujet dans leurs préoccupations. Exemple de Wenceslas Maoussi qui déclare au sujet de l'attractivité de Radio Univers en matière d'éducation sexuelle des jeunes que malgré la grande percée du numérique, la radio permet d'informer, d'éduquer, de divertir. D'ailleurs, ajoute Sira Seke, l'éducation sexuelle des jeunes exige un langage de vérité qui ne peut se dire qu'à la radio. Et pour Angela Pedia, c'est une erreur de penser que la radio est réservée aux vieilles personnes. Pour mettre fin à ce tour d'horizon de l'actualité, des statistiques inédites sorties par les journaux ce matin après la délibération du baccalauréat dans sa session de juin 2022. Les chiffres concernent surtout les détenus des prisons civiles du pays qui ont été présentés à cet examen. Sur 7 détenus présentés, les journaux précisent que 6 ont été déclarés admissibles. Bac 2022, 86% d'admissibilité dans les prisons, titre Nord-Sud Quotidien. Et c'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et bon début de week-end à toutes et à tous. Actu Matin, stop et fin pour ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. On va dire merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés ce matin. Christelle, Archille, Nyakadja, et Eric, Serge Agouliagbo qui est à la diffusion et qui souffle une bougie de plus. Courage, paix, bonheur, santé à toi, chers collègues. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. À 11h, vous aurez un autre bulletin. À 13h, la grande édition de la mi-journée. Allez. Portez-vous bien.